Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Sauvons le couple. Sauvons le couple, c'est une émission spécialisée pour donner des conseils au foyer, au couple, au futur couple. C'est d'éviter d'être sexy en public. Femmes, jeunes filles, ces conseils vous concernent. Vous vous sentez toujours heureuse lorsque les gens vous voient à moitié nue et vous disent que vous êtes sexy. Vous êtes sexy n'est pas un bon message d'accueil. Ceci n'est pas un compliment, mais c'est plutôt une insulte. Vous vous étonnez, oui. Ils se moquent de vous. Ces gens-là qui vous disent que vous êtes sexy se moquent de vous. Les messages cachés, quand ils vous disent que vous êtes sexy, vous avez quelque chose de bon dans votre jupe. Ils disent ceci, vous devez être experte. Être professionnel au lit. Ils ont envie de votre corps. Rien de plus. Ils vous disent ceci, être sexy, que vous êtes un bon jouet, un bon outil de plaisir. Ils vous disent ceci, être sexy, que vous symbolisez le sexe, non une personnalité à respecter. Ils disent simplement que vous êtes plus près d'être une prostituée qu'une femme vertueuse. Une femme de qualité, une femme exceptionnelle. Ils disent ceci, être sexy, que votre plus grand atout serait qu'au lit. Il faut donc toujours s'habiller pour se faire jolie, belle, n'est pas s'habiller pour avoir l'air sexy, que les bons produits sont toujours couverts et emballés, mais les produits sans valeur sont toujours exposés. Femme, jeune fille, sachez que vous êtes précieuse. Couvrez-vous. Ne vous habillez pas en sexu. Ainsi, lorsque vous vous habillerez, demandez-vous, suis-je habillé comme une princesse, comme une première dame ou comme une fille sexu? Faites les bons choix. Soyez fiers d'être un bon exemple pour la société. Je vous le rappelle, soyez un bon exemple pour la société. Le coach Abdul Connexion vous dit, soyez le bon exemple. Pour la société. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Abdul Connexion TV, ACTV, pour que vous ne ratez pas d'autres